Alors la toute première fois que j'ai vu de la danse, moi je voyais un des meilleurs amis de mon frère Jean-Michel danser. Il venait chez moi, il s'entraînait et tout, etc. Donc il me montrait des petits trucs, genre la vague et tout quand j'étais petit. Et un jour, il vient, il me ramène la cassette de Break Street 84. Donc voilà, moi ça a commencé comme ça, j'ai vu la toute première vidéo que j'ai vue en danse, c'était Break Street 84. Alors qu'est-ce qui m'a plu? Déjà c'était l'ambiance Californie, l'ambiance du défi en fait, l'ambiance vraiment underground, comment ils étaient habillés à l'époque, l'ambiance des bandes aussi. C'était le smurf à l'époque, moi le pop. Et le danseur qui m'a vraiment le plus fait kiffer, c'était Poppin' Taco et Boogaloo Shrimp. Alors Mr. Wiggles, un jour Jean-Michel, il vient, il me ramène une cassette qu'ils ont été achetées avec mon frère à Châtelet. Parce qu'à l'époque, les cassettes, on les trouvait à Châtelet. Donc en fait, quand je suis tombé sur cette cassette en 97, j'ai vraiment beaucoup aimé tous les déplacements sur les genoux qu'il faisait Wiggles à l'époque. Et ça a été vraiment une très très grosse source d'inspiration pour moi. C'était magique. Franchement, c'était magique. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc à l'époque, je cherchais un surnom. Il y avait déjà deux Tony qui existaient, Tony McGregor et Tony Mascott. Et moi, je voulais faire un peu différent et un peu plus court. Et un jour, comme ça, par hasard, je descends dans le salon et je vois mon père qui regarde Zorro en noir et blanc. Et là, je rigole parce que j'ai un petit tilt. Je rigole parce que je vois Zorro et à chaque fois qu'on le voyait, il foutait le bordel. Comme moi, un peu, quand j'arrive dans un cercle, j'essaie de foutre la merde, bah voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis un Z à la fin de Tony, en fait. Que durant mon parcours artistique dans la danse, on m'a fermé beaucoup de portes en fait. Ça a été compliqué pour moi d'ouvrir certaines portes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, mon métier professionnel, hein, qui n'a rien à voir avec la danse, c'est serrurier. Donc les portes, maintenant, je les ouvre. Donc là, on va arriver chez un client. On m'a appelé en urgence, je suis obligé de lui ouvrir la porte. Le mec, il est en galère devant chez lui. Donc voilà, c'est mon travail de tous les jours. Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est là. C'est pour vous le serrurier? Oui, j'ai oublié la clé dedans et je suis resté enfermé derrière. Elle n'est pas fermée. Ma clé, hein, elle est juste claquée. Hein. Non, juste claquée. Okay. Alors, je pense que c'est une simple ouverture à la radio. On va faire comme ça. Je prends un petit crochet. On va voir s'il y a du jeu. Ok. Donc, Moïse. Il a ouvert la mer en deux. Tony va ouvrir la porte. Monsieur, rentrez chez vous. Merci.